Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle du royaume. C'est Blanche-Neige. Pas Blanche-Neige, imbécile. Oh, pardon. Où avais-je la tête? C'est toi, Claire. Qu'est-ce que tu penses de ma robe? C'est celle de ma grand-mère. Je l'ai portée pour la fête samedi soir. Je la trouve pas un peu démodée? Bellissime! Ah, Claire, Claire, reviens, je t'en prie. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je rêve! C'est un cauchemar! Non, non, non. Je ne suis qu'un vieil automate, sans défense. Je t'en prie, aide-moi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux? Mes jambes. Mes jambes. Mes jambes. Jambes. Oh. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu bouges plus? Tu boudes? Tu t'inquiètes pour moi parce que tu m'as fait peur? Mais non, c'est fini. J'ai plus peur. J'ai un peu peur, mais moins. Tu
Tu ne vas plus t'enfuir, hein? Oh là, je suis un petit peu rouillée. Un peu d'huile me ferait du bien. Un automate qui parle la langue des signes? Pourquoi ma grand-mère m'a jamais parlé de vous? Il y a très très longtemps, ta grand-mère m'a acheté dans une brocante. J'ai décoré son salon pendant des années, des années, des années. Un jour, elle en a eu assez. Alors, elle m'a abandonnée dans ce grenier. Mais qu'est-ce que tu faisais dans une brocante? Le mort. En fait, je faisais semblant. Tu sais, un automate qui sait lire et qui sait danser, ça n'est pas commun. On venait de très très loin pour me voir. Mais moi, je n'aimais vraiment pas ça, pas ça du tout. T'étais célèbre alors? Oh, hélas, oui. C'est incroyable. Tu parles comme une personne alors que t'es qu'une machine. Qu'est-ce qui se passe? Je sens une vibration. Oh non, zut! C'est ma grand-mère, il faut que j'aille l'aider. Je dois descendre pour le dîner. Oh non! Surtout, ne lui dis rien. Surtout, ne lui parle pas de moi. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui? Le 26 mars 1946. Ah, mais alors, c'est bientôt la pleine lune. Hein? Justement, c'est samedi, le jour de la fête. Bon, je te laisse. Non, Claire, Claire, attends, attends. Tu reviendras demain, hein? Promis. Tu dormais? Oh, quel plaisir de se réveiller tout entier. Oh, oh. Je me demandais si t'étais pas en train de rêver. Ton visage était si différent. En tout cas, on est bien tous les deux. Peut-être parce que t'es un vieil automate solitaire et que moi, si ça continue, je finirai vieille fille. Tu sais, la robe que tu portais hier, c'était celle de ta grand-mère pour ses fiançailles. Et toi,
ton fiancé, comment s'appelle-t-il? Paul. Et samedi soir, dis-moi, tu vas le retrouver? Je sais pas. Tu sais, lui, il est entendant et il connaît pas la langue des signes. Et moi, je sais même pas danser, alors. Oh, attends. Ça sert à rien, je suis sourde. Danser, ça m'étonnerait. De toute façon, il me regarde jamais. Oh, non, non, tu te trompes. Il te regarde lorsqu'il est sûr que toi, tu ne le regardes pas. Mais crois-moi, il te regarde. Quoi? T'as déjà été amoureux? Oui, moi aussi. J'avais une fiancée et pour elle, j'aurais décroché la lune. Ça va? Tu as froid? Tu sais,
J'irai pas à cette fête. Oh, ta place n'est pas là avec moi, Claire. Tu dois retourner dans ton monde avec les autres. Tu parles d'un monde. Il y a de la haine partout. Oh. On a l'impression que les hommes veulent tous mourir. Oh. Non, vraiment. Oh. La seule chose qui me donne du courage, c'est de te savoir là, près de moi. Oh, il faut que je t'avoue une chose. Samedi soir, je ne serai plus là. Je dois partir. Rentrer chez moi. Mais moi, je veux pas que tu t'en ailles. C'est ici, chez toi. Ma fiancée m'attend, Claire. Loin d'ici. Et elle m'attend depuis si longtemps, si longtemps. Mais où? Oh. Tu ne pourrais pas comprendre. Tu ne pourrais pas comprendre. Tu dis n'importe quoi. T'es qu'une vieille machine qui pense pas. De toute façon, tu peux pas sortir d'ici. Ma grand-mère te verrait. Elle a toujours l'œil sur tout. Oh. Tu vas lui faire peur. Et elle appellera les gendarmes. Et ils détruiront. C'est ça que tu veux? Oh, mais je ne partirai pas par la porte, mais par la route qui mène aux étoiles. J'aimerais que tu me donnes ma clé. Jamais! Débrouille-toi tout seul. Tiens. C'est d'ici que tu vas t'en aller? À minuit exactement. Je rentrerai chez moi sur un rayon de lune. C'est comme ça que voyagent les automates. Ça fait 200 ans que j'attends ce moment. Retrouver mon étoile et ma fiancée. Elle me manque tellement, tu sais. Alors chez vous aussi, l'amour existe? Oui. Tu sais, je crois que partout dans l'univers, c'est toujours la même histoire. Et tu crois que pour moi, un jour aussi? Bien sûr. Et voilà, l'histoire est finie. Mais il est parti où, mamie? Il est rentré chez lui, sur sa planète. Et il a retrouvé sa fiancée? Oh oui, j'en suis sûre. Moi, je serais partie avec lui. Maintenant, il est l'heure d'aller se coucher, les enfants. Oh non, non, mamie. Raconte-nous encore. Éclair, elle est où? Le jour de la fête, Paul a demandé la main de Claire. J'ai rien compris. Elle a rencontré papy dans un grenier, c'est ça ?